Hello, je vous dis à Mappy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bioink Redemption. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté pendant les soldes en même temps que d'autres petits jeux. Voilà, petit jeu que je me suis acheté parce que j'ai vu une vidéo de Frozen Crystal qui m'a justement donné envie. On a le choix entre la vie ou la mort. Perso, je sais pas si vous me connaissez, mais je vais choisir la mort parce que je trouve ça mieux. Donc j'ai déjà fait le tutoriel pour justement pour essayer de comprendre un petit peu, mais j'ai bien compris. On va choisir morgue, longueur d'avance comme d'hab. Hein. Je vais laisser en bénigne, je vais l'appeler. Comment je pourrais l'appeler? Un petit nom qui est commun à tout le monde. Tous les emplacements de boosters sont actuellement verrouillés. Ok, donc faut que j'obtienne deux d'expérience. Ok. Donc c'est un accès anticipé, il est encore en bêta. Il n'est pas encore sorti officiellement. Si jamais il y a encore des petits problèmes, des petits bugs, des voilà. Non, bon, si jamais il a encore quelques problèmes, c'est un peu normal, entre guillemets. Mais voilà. Là, il nous faut des points. À savoir aussi que ce jeu-là, moi je l'ai testé, c'était sur un écran tactile, c'est beaucoup plus mieux qu'avec une souris. Toujours cette phase de farm des points bio, je vais essayer d'en farmer quelques-uns. Je reviens après quand j'en aurai encore. Donc voilà, j'ai modifié un petit peu ces problèmes que lui là. Oh la vache! Dommage, j'en ai perdu un, c'est pas grave. J'ai rajouté des symptômes. Ils perdent de la vie facilement, donc je l'ai mis sur le système nerveux. Parce que personnellement, je trouve ça plus intéressant de s'attaquer directement au système nerveux que par exemple au cœur ou au poumon ou au rein. Là, c'est quelque chose qui peut être remplacé. Système nerveux, ça peut pas, c'est définitif. Enfin, en général. Ah bah là, mon petit Chira, t'as une grosse grippe! C'est bête. Donc là, j'ai 22 points. Je vais pouvoir acheter le surmenage. Il en faut 21. Il en faut 20, sauf qu'il faut l'AVC. Il où l'AVC? Excusez-moi, je cherche l'AVC. Vous l'aurez pas vu par hasard. Il y a le sang carrément qui gicle du cerveau. Je pète un câble. C'est pour ça que ça serait mieux avec une webcam. Mais j'ai pas assez d'argent pour en acheter une. Shira, ton corps, il est pas étanche. Ah, la grippe qui est en train de se faire traiter. Bon, ça, à la limite, ça me dérange pas spécialement plus que ça. Je vais d'abord m'attaquer à ça. Je vais développer ça. C'est fait. Plus de 60 ans. Et bah écoute, Chira, en plus, tu seras vieille. Mais ça, si je me trompe pas. C'était un jeu qui était sorti sur mobile et tablette avec les créateurs de Plague Inc. Et c'est une très très bonne idée qu'ils ont de faire ça. Moi je trouve ça juste génial. Par exemple, une personne qu'on n'aime pas, qu'on veut tuer pour de faux, on peut. Ou alors une personne qu'on aime bien embêter. Shira, c'est pas tellement une personne que je voudrais tuer. Vu que bon. Ah, salut d'urgence. Vu que bon, Shira, c'est pas non plus tellement une personne que je voudrais tuer. Maladie d'Alzheimer. Allez, je t'achève, ma pauvre. Poum! Les systèmes de Shirayuki s'effondrent, augmenter le taux de défaillance en détruisant d'autres systèmes. Événement suivant, chaque système défaillant endommagera les autres systèmes de manière exponentielle. Ok, donc ça c'est bon. J'espère qu'ils vont pas trop la guérir trop vite. Hein. J'ai envie de gagner, moi. Même si tu dois y passer, je veux gagner. Le surpoids. Et l'obésité. Ok. Ah oui, mais en plus, on voit carrément le corps changer. Ah, ça, c'est juste génial. D'accord, deux hamburgers en même temps. Ok. Je juge pas. Mais pourquoi pas. Ok. Bon. Ah, il y a une petite fuite, il faudrait comater. Hein. On va appeler pompier, il va te refaire l'intérieur. Si jamais vous n'avez pas compris la référence, c'est pas grave. Vous demanderez à personne. T'es dégueulasse de me vomir dessus, toi.
J'essaie de te tuer et tu me vomis dessus. Pff. Développement aléatoire de l'incontinence. D'ailleurs, Chiron, t'arrives pas à contrôler ta vessie. Désolé, c'est pas de ma faute, c'est je qui décide. Du coup, il faudra que tu mettes des couches. Allez, boum. En moins. Bah écoute, hein, je crois que t'es mal barré. Bah, désolé, Shira. Mais j'ai gagné. Le système nerveux de Shirayuki s'est effondré en premier à cause d'une maladie, dépression majeure, ce qui a ensuite entraîné l'effondrement de son système digestif. Bah, ma pauvre Shira, tu es morte. Ce dimanche 18 février 2018. Voilà, désolé. J'aurais mis quand même 235 jours à te tuer. Ok. Bon, du coup, cette fois, je vais essayer de... Ah ouais, je suis niveau 2. La course contre la mort. Elle est plus vite que l'IA adverse. Ah, ça, sympa, ça. On se le fera pour une prochaine vidéo. Ce sera pareil que la vie. Où je sauverai quelqu'un. Je ferai le tutoriel avec vous. Voilà, c'est juste pour vous présenter ce petit jeu-là. Rapidement, vite fait, mes couilles. Pour vous le présenter, je ferai des vidéos sur d'autres jeux en même temps. Voilà, du coup, c'était Happy. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Cette vidéo est partie en couille, principalement sur la fin, car j'arrive pas à m'exprimer parce que je suis fatigué, mais c'est pas grave. Ciao, ciao.